demander. Ça tourne pour nous à la caméra, Fabien, tu donnes un décompte quand tu veux, Fabien. Ben, je me retrouve encore dans les embrouilles avec Fred. Fredo, donne ton gars, voilà, ça c'est pas mal. Et il a besoin d'un petit Daniel pour lui donner un coup de main. Bien curieux. Super, tout bien vieux, nous sous-saille. Hein? Super vieux, nous sous-saille. Il était pas sur la première. Lui, il fixe le truc, il sort, attention police de Marseille. Tout va bien, police de Marseille, on reste calme. Tac, boum, boum, je démarre. La tourne. C'est un des rares films où il y a finalement très peu d'effets numériques, très très peu. On a tout fait en réel, enfin la majorité des choses sont faites en réel. Il y a quelques trucages, c'est vrai, mais la majorité c'est sur le plateau. Il y a un missile qui me regarde dans les yeux, c'est normal? Là je comprends tout. Hein? Action! C'est bien, c'est nickel. C'est impeccable. Allez, en fin de journée, merci. Je trouve que ce qu'il y a de plus dur à mettre en scène, c'est jamais les voitures qui vont vite, les actions, les cascades et tout ça. Je trouve que ce qu'il y a de plus dur à mettre en scène, c'est toujours les sentiments au cinéma. Donc c'est le travail avec les acteurs. Qu'est-ce que vous foutez, vous? Pourquoi vous vous arrêtez? Allez, ninja, ninja! Je voudrais pas vous paraître pessimiste. Je voudrais pas vous paraître pessimiste, mais comme ça, là, d'instant, ça sent le piège. Ça sent le piège. Je voudrais pas vous paraître pessimiste, mais ça, là. Mais d'instinct, là. Je voudrais pas vous paraître pessimiste, mais d'instinct, là, ça sent le piège. On va faire une mise en place avec la caméra. On a un silence pour la révolution. C'est du genre, mon petit Daniel, vous m'en sauvez? C'est l'autre qui te répond pas. Bah, il faut quand même me répondre, mon petit Daniel. C'est nouveau, ça vient de sortir. Oui, ça vient de sortir. D'accord. Hein ouais. Il faudrait quand même me répondre, mon petit Daniel. Bon, Daniel, je parle, on voilà, écoute. Quand voilà, je... C'est Gilbert. Oui, c'est Gilbert, vous m'en sauvez? Oui. Puis t'attends un peu, il te répond pas. Jean-Christophe, te décaler sur ta fesse droite un petit peu. Ta fesse droite. Tu veux, je passe un truc, même si c'est ce que je pourrais faire là, tu vois, si jamais. T'as envie, je vais. Vas-y, reste pour toi. Déjà le premier, j'avais mal à la tête quand je suis monté dans la voiture. Alors celui-là, t'as mal partout. Il y a plus de spectacle, il est plus drôle et il va plus vite. Une ligne droite rapide et après vous arrêtez au virage. Et après je ravance ma caméra et vous ferez le virage. Ça va enchaîner. La Mitsubishi est la plus à gauche, va nous doubler encore plus à gauche. La deuxième va aller derrière. On reste sur la voie comme tout à l'heure. Et nous on reste sur la voie comme tout à l'heure et on va voir la troisième arriver à hauteur du camion, à la distance à laquelle. Ok. Il a cassé une préfecture juste avant, ça c'est un truc qu'on va tourner beaucoup plus tard dans le temps. Il sort de la préfecture et il s'enfuit sur la place et il est poursuivi par des voitures de police. Il a tout traversé. Tu savais. Deux, trois.
ça c'est un grand moment. C'est un très grand moment. Il y a deux jours, j'allais faire du judo avec Emma et je suis ruiné. Je suis totalement ruiné. Tu te relèves. Hein, ça, je t'ai pas fait mal. Mmh. Non, pas non, du tout. Toi, t'es hors champ. Non, mais vous voulez arrêter 5 minutes? Non, ça va, Apex. C'est juste que je prends des mauvaises positions là, parce que j'ai peur de te faire mal. Mais... c'est pas grave, ça va partir. D'ailleurs, je suis en train de... Il n'y a pas de prix Nobel dans l'entourage de ce pauvre commissaire Gibert, qui lui-même, faut bien le dire, n'est pas un polytechnicien. J'ai suivi un cours de japonais. Konnichiwa. J'ai sauté, bonsaï. Ce commissaire Gibert, il a des traits de caractère que j'ai un peu moins. Un peu distrait. Il prépare très minutieusement toutes ses opérations. Il s'est imbibé de l'affaire avec une telle bonne volonté qu'il déconnecte un petit peu. Et du coup, ça le rend quand même très sympathique. Une fois de plus, je n'étais rien sans lui. Rien sans lui. Et rien. Rien, rien. Une fois de plus, je n'étais rien sans toi, frère. Ça veut dire bonjour en japonais. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez intérêt à vous en souvenir parce que dans moins d'une heure, ici, dans notre bonne ville de Marseille, nous allons recevoir le ministre japonais de la Défense. Alors, j'ai mis au point une opération minutieuse que je vais vous exposer maintenant. Et cette opération, je l'ai baptisée. L'opération Ninja. Chef, ça mord. Oh putain, c'est du gros ça. Quoi, 306? Sans votre respect, chef, je crois plutôt que c'était une 406. Hein. Et à mon avis, elle sort pas de l'usine. Y'en a un 306, c'est la vitesse enregistrée, l'abruti. Pressez les motards. Un taxi blanc enregistré à 306 km. Je répète, 306. Ok, on s'en occupe de suite.
tire pas la laisse. Ouais. Pas la laisse. C'est nouveau, je te jette la palalaise. Les gars savent depuis Bernard, on est bien palalaise. Là, nous sommes à Marseille pour l'avant-première. Mmh. Est-ce qu'il est important pour vous que cette avant-première, justement, se situe à Marseille ? Ouais, c'est bien. Marseille, ils nous ont donné la chance de venir chez eux pour le premier parce que il y avait des soucis à Paris et il y avait des grandes manifestations et on n'a pas pu tourner à Paris. Donc Marseille nous a ouvert ses portes. Et c'était bien de ça n'a jamais été fait dans le cinéma français, de donner l'avant-première, on tourne au Havre, l'avant-première est à Paris. Et là, on tourne à Marseille, on donne l'avant-première aux Marseillais pour les remercier de leur accueil et puis du souk qu'on leur a foutu. Et justement, vous avez l'impression d'être un véritable porte-drapeau de la ville aujourd'hui ? Non. Si c'est comme ça qu'ils ressentent eux, moi je me le sens pas du tout comme le porte-drapeau des banlieues ou des maghrébins, pas du tout. Mm-hmm. Je suis Samina Siri, je fais ma route et je fais en sorte que ce que je veux, c'est que les miens respirent. Alors justement, c'est le deuxième numéro de Taxi, mais je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Je sais pas si c'est une suite, c'est pas une suite. Non, c'est une nouvelle enquête, comme dans L'Arme Fatale. Chaque fois, c'est des enquêtes différentes. Mmh. Avec des nouveaux voleurs, des nouvelles poursuites, des nouveaux comédiens. Alors qu'est-ce qui se passe, justement ? Eh bien, ça va plus vite. Le taxi est beaucoup plus modifié, c'est James Bond. Mmh. Il y a des nouveaux personnages, il y a des clins d'œil du premier. Ça va plus vite. Il y a eu un nouveau budget et on voit que Je dis ça depuis tout à l'heure aux interviews parce que j'y ai repensé, c'est quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure et il a raison. On s'aperçoit que vraiment l'argent n'a pas été... Il y a des films, des fois on se dit, mais ils ont eu tant de budget, mais où ils ont mis l'argent ? Dans quoi ? Dans les fauteuils, dans les pneus des voitures, dans les valves ? Et là on voit vraiment que l'argent a été utilisé pour les biens du film et pour que le spectateur se régale, quoi. Alors justement... Une petite question, combien de voitures a été cassée ? Je ne sais pas si vous le savez. Un paquet. Ouais. Rien que les voitures de police sur le pont de Bir Hakeim, il y en a eu facile 30. Et après, bon, il y a toutes les autres. Des 406, il y en avait 12, donc deux fois plus que sur le premier. Ils ont fait préparer des voitures japonaises spécialement pour le film, qui ne sont pas encore sorties dans le commerce, gonflées. Non, il y a... De casse, il y en a eu un paquet. Est-ce que vous avez la sensation que votre personnage a évolué de Taxi 1 à Taxi 2 ? Ouais. Il a vieilli comme moi j'ai vieilli dans la vie. On a mûri depuis Taxi 1 à Taxi 2. On a tourné beaucoup, Fred, moi, les autres. Et lui, il a vieilli. On peut dire que peut-être qu'ils sont... Avec Fred, entre Taxi 1 et Taxi 2, ils sont sortis beaucoup ensemble, ils ont sympathisé, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'enquête. Il lui a promis qu'il ne lui retirerait plus son permis. Et comme on l'a fait dans la vie avec Fred, on a appris à se connaître, à traîner un peu plus ensemble, à se retrouver dans les castings, voyager, faire les avant-premières. Et je crois que Daniel a vieilli. Il arrive presque à... Ben, je crois qu'il a envie de se marier avec Lily. Il est mûr. Vous conduisez très vite dans le film. Mmh. Est-ce que peut-être, dans le fond, vous ne risquez pas de donner un mauvais exemple à la jeunesse ? Ben, j'espère que non, justement, que les gens ne vont pas déteindre sur le film à ce niveau-là. S'ils s'identifient à moi, j'espère qu'ils prendront les bons côtés. Mmh. C'est-à-dire où j'en suis arrivé aujourd'hui dans ma vie, dans mon travail, qui pomperont ça, et qui s'identifieront à ça, mais pas à la conduite, quoi. C'est tellement dur, il n'y a que aller à Garches, voir à l'hôpital, l'hôpital des accidentés de la route, et je crois que tu prends une bonne baffe. Il y a tellement de choses pour pouvoir conduire et s'éclater, se faire plaisir. Tu as des circuits, ça coûte pas cher, tu vas à 3-4 copains, ça coûte 400 balles, vous mettez 100 balles chacun, et tu fais de la 16 soupapes ou de ce que tu veux toute la journée sur piste, puis tu as un instructeur qui est là à côté de toi, et puis il te laisse conduire, il t'explique des choses, et ça t'apprend en même temps, pour après quand tu es dans la ville, à anticiper des choses et à pouvoir mieux conduire. J'espère qu'ils feront pas les fous quoi, en voiture. Mais bon, ça va, quoi. On a eu des films anciens de Melville,
de Lautner, tout ça, où il y a des braquages et tout ça, et c'est pas pour ça qu'il y avait plus de voleurs. On a eu des films de cow-boys et d'indiens, c'est pas pour ça que dans Paris, on avait des cow-boys et des indiens à cheval. Non, c'est sûr qu'il y a toujours une minorité qui s'identifie, mais j'espère qu'ils passeront pas les bornes, quoi. Je le souhaite. Est-ce que vous êtes fier d'avoir tourné ce film ? Ouais, très fier. Très fier. Quel est votre sentiment à vous ? Vous préférez Taxi 1 ou Taxi 2 ? Mais j'aime pas dire je préfère. C'est que si je dis je préfère Taxi 2, ça veut dire que j'aime pas Taxi 1. Non, je crois que c'est un prolongement. C'est un prolongement de la vie. Donc ça s'est épanoui, ça a évolué. Donc ça a gagné en subtilité, en plein de choses. Mais c'est bien quand les choses vont dans ce sens-là. Alors pensez-vous justement qu'Emilien a évolué ? Ah oui. Ah oui. Ça, il a pris de l'assurance. Il a pris beaucoup d'assurance. Il n'est pas plus efficace. Il n'a pas gagné en efficacité. Il a gagné en assurance. Et il est encore plus têtu. Enfin, têtu, il veut toujours réussir les choses. Ça, c'est plus fort que lui. Malheureusement, ça ne suit pas toujours. Là, dans Taxi 2, Emilien est très amoureux et il est payé en retour. Et il est payé en retour. Ah. On va pas tout dévoiler comme ça, tout de suite, aussi sec. Ouais, il est payé en retour, effectivement, c'est normal, surtout après ce qu'il subit au début. C'est toujours un donné pour un rendu, hein, parce qu'il y a un moment quand même où il est maltraité. Mm-hmm. comment expliquez-vous que ces deux personnages, Daniel et Emilien, qui dans le fond ne se ressemblent pas, puissent s'entendre comme ça? Non, c'est ça, il y a un vrai respect entre ces deux personnages. Ils savent qu'ils ne sont pas pareils. Et c'est ce qui fait vraiment c'est ce qui fait l'unité entre les deux. Il y en a un qui est admiratif. Donc Emilien est très admiratif de la force de son partenaire, de Daniel, de savoir qu'il assure dans tout ce qu'il fait. En plus, il en a besoin. Et Daniel, lui, est touché par la naïveté de son pote. Il est vraiment touché par ça. Il s'aperçoit que c'est pas juste un mec qui veut... c'est pas quelqu'un d'intérêt. Il a bien vu qu'il n'y avait pas juste un intérêt. Emilien ne s'est pas juste servi de Daniel. Et ça, il le comprend. Il comprend que c'est un mec qui a besoin d'aide, parce que lui aussi avait envie d'entreprendre. Et c'est ça leur union, leur force. Est-ce que vous avez conscience du fait que vous séduisez les femmes dans ce rôle ? Ah ben non, ça c'est les choses qui me dépassent. Hein. Ça c'est les choses qui me dépassent totalement. C'est comme quand on me dit « vous êtes drôle ». C'est vrai ? Moi je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte. Surtout que ce personnage est en plus tellement très très sincère. Tout ce qu'il fait, c'est il est soupolet. D'ailleurs, je le dis toujours, mais si on rigolait devant lui de tout ce qui lui arrive, il le prendrait super mal. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, on rigole jamais devant lui. On rigole toujours à côté. Et donc j'en suis très très flatté, mais presque gêné même. Est-ce que vous avez été content de retrouver toute l'équipe du film pour ce Taxi 2 ? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est quand même tout ça. C'est un film, vous le faites pas tout seul. Hein. On sait qu'on est tous là pour se servir. C'est vraiment un film d'équipe. On vient d'interviewer Emma. Et elle nous a dit que vous l'aviez beaucoup aidée pour l'accent français ou des choses comme ça. Ah oui, non, c'est vrai qu'on... Et d'ailleurs, c'est incroyable, il y a eu des... Pareil, on parle entre ce qu'elle fait là, dans le premier, où elle maîtrisait pas bien le français. Mais pas bien du tout, c'est vrai que c'est pas une langue qui est évidente. Où elle s'en est sortie, mais haut la main. Et là, c'était évident. Mais moi, je dis, j'ai pas eu besoin beaucoup de l'aider. Elle avait envie, elle avait une vraie volonté de... Ça l'amuse de faire ça, en plus, ça l'amuse vraiment. À la base, c'est pas son métier, elle est pas comédienne, un truc, et c'est vraiment... Elle fait ça d'une façon très, très ludique.
Donc moi j'ai pas eu l'impression, pour moi on a travaillé les scènes quoi. Alors ici pour l'avant-première on est à Marseille. Est-ce qu'il était important que cette avant-première sorte à Marseille? Ah oui. On l'a fait la première fois, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas la deuxième fois. Merci, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, on n'a plus besoin de vous. C'était même pas un besoin, c'est vrai qu'on a pris quand même pas mal à la ville. Déjà quand on vient tourner, quand on tourne dans un endroit, on met pas mal le bordel. Donc c'était vraiment un cadeau qui était important de faire. Donc pas de raison qu'on recommence pas là. On recommence pas avec Taxi 2, parce que c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans. Quand même, c'est la moindre des choses. Alors en gros, qui êtes-vous dans le film? Je suis Petra, commissaire de police. Toujours. Alors Petra, c'est une sorte de superwoman, on va l'appeler comme ça? Oui, elle est une superwoman.